Abike na chi dani ka bo amboru lonza la sare nzura akasi azo ina dani bo mbiga ti sigi lambi sote mbi chan le chua si ko iso ko chi mbi ni amumbi agboto mbi na gigi na poko cha amboru loni bo wana bi dachi complain akumbo la si ko mbi na amumbi bi itati mbi la mo velo si ko mbi dambi andoni aza agambi agana mbi na hospital ege bo azuna bakani achi gona mbi na bangi Lazi gazuni gizo akwimba na yoro na ndoshi kani lambi jujizo jus kaza ninga si sigira kodro Bria es una ciudad centrooriental de la República Centroafricana, donde el Estado no estuvo casi nunca presente. Actualmente, es un inmenso campamento para desplazados. La ONU los cuenta en más de 73.000 diseminados en varios campos. Uno de estos es la Catedral de San Luis. On avait accusé d'énormes difficultés pour l'accueil des déplacés, pour leur logement, pour la nourriture. Si vous voyez, vous visitez un peu le site, vous allez vous rendre compte que le niveau de vie est encore précaire. Dans le site, on compte à peu près 3000 personnes. Nous, prêtres, au niveau de l'église, nous n'avons pas aussi la possibilité de leur venir en aide. Au niveau de l'éducation, il y a beaucoup des enfants non scolarisés, médicaux dans notre site. Du point de vue nutritionnel, donc, il y a certaines ONG qui interviennent grâce à l'appui de PAM pour faire la distribution des vivres. A finales del 2012, los ELECA, grupos de milicianos de mayoría musulmana, llevaron a cabo un golpe de Estado contra el presidente François Bozizé. En contraposición a los ELECA, surgieron los antibalaca y se desencadenó una dura guerra civil que todavía hoy tiene fuertes repercusiones, sobre todo en las provincias más remotas de la República Centroafricana. En Bria, los ELECA, superiores en número, obligaron por la fuerza a los antibalaca a refugiarse en los campos de desplazados, y así se aseguraron el dominio de la ciudad. Sin embargo, la violencia no se detiene y el único actor capaz de reducirla es la MINUSCA, la misión de estabilización de la ONU. Je ne vois pas un conflit interconfessionnel qui opposerait les chrétiens et les musulmans. C'est une crise intergroupe armée. Si on résout ce problème au niveau des civils, il n'y a pas un conflit. Problème de sécurité. Et c'est ce que nous attendons de la communauté internationale, de donner un coup de main au gouvernement centrafricain, qui est d'ailleurs fragilisé et qui n'a pas cette force-là d'avoir une autorité, une prise sur le territoire. Bon, c'est là, papi. Luca, Luca.